Deux mules décédées en ce début d'année et une troisième qui a frôlé la mort. Elles ont ingéré des ovules de cocaïne qui ont éclaté ou se sont fissurés dans leur estomac ou leurs intestins. Le récit avec Laurent Marot et Karl Constable. Soirée du 8 avril, un homme s'écroule rue Maloué à Cayenne, un Espagnol de 38 ans d'origine soudanaise. Il décède dans la nuit à l'hôpital. Dans son ventre, près d'un kilo et demi de cocaïne. Le 9 janvier, un Lituanien de 47 ans s'effondre à la Charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni. Il meurt peu après. Il avait ingéré 620 grammes de cocaïne. À l'origine de ces deux décès, des ovules de drogue qui n'ont pas résisté. Des ovules soit qui ont éclaté, et pour certains, qui est plus surprenant, les ovules n'avaient pas éclaté. C'est-à-dire que la cocaïne, en fait, ils n'étaient pas étanches. Donc il ne faut pas se fier toujours à l'aspect des ovules. Il y en a certains qui peuvent être très dangereux, quand bien même ils ont l'air d'aspect solide. Sur ce type de décès, on était à plus de 10 fois la dose mortelle de cocaïne dans le sang. La drogue est transportée dans des emballages fabriqués par les trafiquants, visibles sur les radios des mules faites à l'hôpital de Cayenne. Chaque ovule contient en moyenne 10 grammes de cocaïne. En cas de fissure, si un dixième de cette quantité se retrouve dans le sang, c'est l'overdose. Le cœur s'accélère très très vite ou alors il va battre de façon complètement irrégulière et ça va causer un arrêt cardiaque, donc on va mourir à cause de ça. D'autre part, donc, quand elle va agir, cette drogue au niveau vasculaire, elle va disséquer les artères, c'est-à-dire les déchirer au niveau du cœur, donc c'est les vaisseaux qui vont irriguer le cœur, donc ça va provoquer un arrêt cardiaque, ou au niveau cérébral, donc c'est les vaisseaux qui irriguent le cerveau qui vont être déchirés, et dans ce cas-là, le sang a du mal à arriver au niveau du cerveau et ça provoque ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral qui est la plupart du temps hémorragique, c'est-à-dire en saigne au niveau de la tête. Et c'est ce qui cause la mort et le décès. Dans ce cas, la survie de la mule dépend notamment du délai de prise en charge. Ainsi, le 3 avril, une passeuse de 50 ans avec une centaine d'ovules ingérées a fait un malaise à l'aéroport Félix Éboué. Rapidement prise en charge, elle a échappé de peu à la mort. Elle est toujours hospitalisée.